c'est la vérité. Et il n'y a pas une autre vérité en dehors de la Bible. La vérité n'est pas dans le Coran. La vérité n'est pas dans le bouddhisme. La vérité n'est pas chez les Rose-Croix. La vérité n'est pas chez les Illuminati. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité est en Jésus-Christ. Seul Jésus est la vérité. Et sa parole est la vérité. Dieu n'est pas dans les complaisances et les caprices des hommes. Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Et cette Bible, c'est la bonne nouvelle. L'histoire est sur le point de commencer. On va lire dans la parole du Seigneur, dans la Bible, dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. On commence au cinquième verset. La parole de Dieu déclare: ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000. Laisse-moi te dire une chose. Le besoin a toujours été plus grand que ce que tu as dans les mains. Mais tu accompliras et tu répondras à tous tes besoins. Qu'est-ce que cela pour une si grande foule, 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez que les femmes, c'est toujours le triple, le quadruple, quand il y a une association surtout religieuse. Regardez même dans la salle combien vous êtes les femmes et combien il y a des hommes. Alors si on regarde la foule, on se dit, il y avait peut-être plus de 20 000 hommes. Mais on n'a que 5 pains et on a 2 poissons. Waouh! La parole de Dieu continue en disant: Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Ce que tu as paraît petit, mais tu ne sais pas ce que ça peut produire. Oh, je le répète, ce que tu as paraît petit, mais tu ne sais pas la force qui est derrière ce que Dieu a déposé entre tes mains. Amen. Tu ne connais pas, là où tu es un arbre qui cache une forêt. Alléluia, ce que tu es n'est pas encore révélé. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent. Donc, ils ont mangé. Il y a même les morceaux qui sont tombés. Il faut vraiment être rassasié pour faire tomber les morceaux. Afin que rien ne se perde. Dieu n'aime pas le gaspillage. Non. Il ne faut pas gaspiller les choses inutilement. Le Seigneur n'aime pas ça. Si Dieu te donne, si Dieu te bénit, tu dois être un bon gestionnaire de ce que le Seigneur t'a donné. Un bon gestionnaire. Ne gaspille pas. Ils les ramassèrent donc et les remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde.
Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ils étaient même prêts. Il dit non, lui, s'il est le roi, on ne va jamais dormir de faim. On ne va pas crever tous, on va manger. On va venir le prendre et on le fera roi. Comme ça, on règle tous les problèmes. Et Jésus-Christ a pu fuir parce que ces gens-là voulaient le prendre pour le faire roi. Ça devait être un problème parce que son royaume n'était pas encore de ce monde. Il sera roi de roi lorsqu'il reviendra. Mais ces gens-là ont voulu précipiter les choses pour dire, non, nous avons mangé comme ça. Si on le fait roi, mais c'est terminé. Notre problème de crise est fini. Alléluia. Alors, on retourne d'abord au commencement, où on commence au verset 5. Et en levant les yeux, il lève les yeux. Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous le pain? C'est la question que le Seigneur te pose aussi ce soir. Où achèterons-nous le pain pour que ces gens aient à manger? Où achèterons-nous le pain? Est-ce que vous savez, dans le principe du leadership, lorsque vous êtes un leader et que vous voulez accomplir quelque chose qui dépasse de foi l'entendement ou la compréhension des gens qui vous entourent, vous allez voir souvent les leaders a tendance à aller expliquer d'abord ce qu'il veut faire aux gens qui ont peu de foi ou qui sont incrédules. On n'explique pas des choses pour chercher à convaincre une personne qui est obéissante ou qui a la foi. Non, on cherche à convaincre celui qui est désobéissant ou qui est incrédule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Jésus-Christ regarde la foule. Il se dit, d'ailleurs, dans d'autres traductions, on dit, dans d'autres épîtres, je ne peux pas renvoyer cette foule parce qu'elle est affamée. Elle est auprès de moi, ça fait plusieurs jours. Il eut des compassions parce que la compassion était la source des miracles du Seigneur. Dans la vie de tout homme, tu peux prier, vous qui aimez la prière, pour prophétiser, pour guérir les malades, pour délivrer les vies des gens. Dieu ne peut rien faire dans votre vie si vous n'avez pas la compassion. La compassion est la chose qui produit les miracles dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le moteur de la puissance. Pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut que l'homme ait la compassion. C'est dans le but d'apporter la solution. Tu vois quelqu'un souffrir, alors tu te dis non. Pourquoi doit-il souffrir comme ça? Seigneur, fais quelque chose. Alors, lorsque tu as la compassion, tu deviens un canal pour que le Seigneur t'utilise. Regardez, il y a des gens, même quand ils prophétisent, j'ai vu des gens prophétiser, vous voyez une sœur là, quand elle prophétise, vous voyez vraiment que c'est sans compassion, elle sort les histoires tout cru. La prophétie ne peut pas diviser. On ne prophétise pas pour humilier. On ne prophétise pas pour diviser. On ne prophétise pas pour abaisser. On prophétise pour édifier. Et pour édifier, il faut avoir l'amour dans ton cœur. Alléluia. Alors, c'est très important de savoir cela. Jésus-Christ avait la compassion. Et il regarde la foule. Il se dit, mais si cette foule partait, ça va être difficile, ça va être compliqué. Parce qu'ils vont manquer la force en retournant sur le chemin. Alors il pose la question, il commence, il est là avec ses disciples qui l'entourent. Pierre est là, Barthélemy est là, Matthieu est là, tous ils sont là, Philippe, André, Jacques, Simon, Jean, Thomas, ils sont à ses côtés. Alors Jésus-Christ ne regarde pas tout le monde, mais il pose la question à Philippe. Il dit, Philippe, où trouverons-nous le pain pour tout ce peuple, pour tous ces gens? Pourquoi à Philippe? Parce que Philippe, même dans sa réponse, vous voyez que Philippe a un problème avec sa foi. Le Seigneur a voulu toucher là-bas pour travailler sa foi. Laisse-moi te dire, les miracles sont toujours d'actualité, mais tout dépend de ta foi. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit, homme de Dieu, vous avez vécu tellement beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Vous avez raison d'avoir la foi parce que
Vous avez vécu beaucoup d'expériences un peu spirituelles. Vous avez vu beaucoup de choses. Ça augmente vraiment la foi. C'est faux. Qui te dit que parce que Dieu t'ouvre les yeux ou bien tu vois les anges, c'est en ce moment-là que ta foi va grandir à 90%? Qui te dit que si Jésus-Christ te paraît comme ça dans la chambre, c'est en ce moment-là que tu auras la foi? Les enfants d'Israël ont vu la mer Rouge se séparer en deux. Ils ont traversé à sec. Ils ont palpé. Ils ont vu la puissance du Seigneur. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont vu les cailles tomber. Ils ont mangé de la manne, une nourriture qui n'a jamais existé sur terre, qui tombait du ciel. Ils ont vécu et palpé ces choses-là. Mais ils sont demeurés incrédules. Un homme comme Philippe, aux côtés de Jésus-Christ, Jésus, celui que nous adorons, celui en qui nous croyons, il a été à ses côtés, il a marché avec Jésus en chair et en os, mais il était incrédule. Il a vu Jésus ressusciter les morts, il a vu Jésus guérir les malades, mais incrédule. Savez-vous d'abord une chose, Église du Seigneur? Quelle incrédulité! Je veux d'abord commencer à parler de Philippe. Je veux d'abord parler de Philippe. Si tu t'appelles Philippe dans la salle, ne change pas de nom. Alléluia! Philippe! Philippe, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? On dirait que le Seigneur a une préoccupation. On dirait que Jésus-Christ lui-même, il se dit, waouh, il y a un problème ici. Mais le Seigneur se tourne vers toi. Regarde, chaque fois que Dieu se tourne vers toi, sache que c'est toi qui l'as déjà choisi. Parce que c'est par toi qu'il va déployer sa gloire et sa puissance. Ne te pose pas la question, comment ça se fera? Ça se fera parce que c'est toi qui l'as pointé. Amen. Je vais encore parler à la vie de quelqu'un. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Il y avait une équation là-bas, une équation, une forte équation. Une forte équation. Pour ceux-là qui n'aimaient pas les maths, tu ne vas pas non plus aimer les équations. Alléluia. Une forte équation. Philippe, où achèterons-nous le pain? Celui qui te pose la question est celui qui donne souvent les solutions. Mais là, Philippe se tient debout, il le regarde, il dit, mais écoutez là, écoutez, le Seigneur était en train de parler à l'incrédulité de Philippe, puisque la Bible nous parle déjà dans le verset qui suit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il voit les gens, c'est comme qu'il dirait spirituellement, le Seigneur voit déjà qu'il multiplie le pain. Il voit le miracle. Il voit les gens manger. Il voit comment est-ce qu'il fait. Il impressionne les gens. Mais il regarde avant de faire. Il pose la question à Philippe. Il dit, Philippe, où est-ce qu'on trouvera le pain pour nourrir ce peuple, pour nourrir ces gens? Et à Philippe de répondre maintenant. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers. C'est comme quelqu'un qui te répond, il dit, homme de Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand ils te parlent, même quand vous êtes dans la vie, ou même quand vous faites l'œuvre de Dieu, il y a des gens, tu n'aimes pas parler avec lui. Parce que il va dire, non, je ne l'ai pas découragé. Mais une seule phrase qui sort de sa bouche peut te briser. Alléluia. N'avez-vous jamais vu des gens, c'est toujours bon, que Dieu agisse. Hein? On attend après Dieu. Tu vois, la façon de dire on attend après Dieu, tu sens que ce n'est pas une bonne façon de le dire. C'est sans motivation. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, j'attends. Écoutez, on ne te force pas de devenir chrétien. On ne te force pas d'attendre de la part de Dieu. Dans le royaume, ce n'est ni la pitié. Ce ne sont pas nos larmes qui vont nous donner ce dont nous avons besoin. Dans le royaume, on achète avec la foi. Oh, somebody m'entend.
Est-ce que l'Église m'entend ce soir? Nous sommes dans un jeudi de miracles. Laisse-moi te dire que tu dois vivre un miracle. Comme je parle de la multiplication de pain, que Dieu multiplie tes finances, que Dieu multiplie ton entreprise, que celui qui a multiplié le pain puisse te multiplier, que tu multiplies l'argent qui est dans ton compte. Maintenant que je suis en train de parler, que ce que tu possèdes puisse se multiplier. Nous parlons du miracle de la multiplication de pain. Que Dieu te multiplie, que Dieu te multiplie, que Dieu te multiplie. Au nom de Jésus. Sois multiplié. J'aime beaucoup mon Dieu parce qu'il n'additionne pas. Mon Dieu multiplie. J'ai trouvé des gens tristes. J'ai compris une chose dans ma vie. La tristesse ne peut rien changer. Jésus-Christ dit, vous pouvez vous inquiéter comme vous voulez. Vous n'ajouterez même pas une coudée à la durée de votre vie. Donc la Bible déclare d'ailleurs, ne vous inquiétez donc de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Les inquiétudes ne changent rien. Philippe, où trouverons-nous l'argent? Plutôt le pain. Pour nourrir tout ce peuple. La question est posée à Philippe parce que Philippe avait un problème de raisonnement. Raisonnement. Le raisonnement, c'est la logique. La logique, c'est une façon de faire les choses. On le sait. Que quand on arrive, on monte là-bas, on éteint les lumières. Les lumières sont éteintes. C'est logique. La logique, c'est comme une formule. Nous savons que ça marche comme ça. Quand tu veux préparer, je ne sais pas, ton riz, il y a une logique. Sinon, ton riz deviendra une bouillie. Tu dois respecter la logique. Il y a un principe à suivre. Or, la foi et le raisonnement sont ennemis. La foi et le raisonnement sont ennemis. Le raisonnement, c'est le doute. Le raisonnement, c'est la logique. Le raisonnement, c'est l'incertitude. Le raisonnement, c'est l'incrédulité. Le raisonnement, c'est la désobéissance. La foi obéit avant le discernement. Si tu veux discerner avant d'obéir, c'est que tu n'as pas la foi. La vraie foi passe à l'action avant de comprendre, avant de discerner. Parce que la foi, c'est l'intelligence de l'esprit. Oh, 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 oh. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Philippe devait comprendre une chose. Que si le Seigneur m'interpelle, c'est qu'il va faire quelque chose. Parce que la vraie foi, c'est la connaissance de Dieu. Un homme qui a la foi connaît Dieu. Un homme qui a la foi a l'intelligence de l'esprit. Ça veut dire que la Bible dit, l'esprit de l'homme connaît l'homme. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as pas besoin de prophétie. Si tu vois là, Pierrick est là par exemple, il est dans la joie, il est avec toi, il a l'argent dans la poche. À un moment donné, tu sens que non, il va vraiment me payer une pizza maintenant. Même s'il ne te le dit pas, tu peux sentir que ce pizza-là est en train de venir. Alléluia. Et jusqu'à ce que tu vas la manger. Parce que l'esprit de l'homme connaît l'homme. Écoutez, les gens qui ne connaissent pas ce principe même de la vie échouent toujours. Tu dois étudier les choses. Tu regardes Patrick, tu te dis, l'esprit de l'homme connaît l'homme. Si je commence ce discours-là, il n'est pas dans son bain pour écouter ce langage. Alors, je laisse. Tu peux étudier l'atmosphère, tu peux arriver avec une bonne blague qui peut me transporter pour que je rie. Mais tu arrives avec au mauvais moment. Tu arrives avec au mauvais moment où je n'ai pas besoin de rire. Au lieu que je ris, ça m'énerve. Pourquoi? Parce que tu vis sans intelligence.
Parce qu'il y a des gens plus... Parce qu'on doit être, joyeux, on doit être content, on doit être gentil. Alors, tout moment, il est là, lui, il est... Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour rire. Non, mais il y a un temps où on est tranquille, on est en train de raisonner. Tu réfléchis par rapport à ta vie. Toi, tu es dans tes pensées, tout ça, mais l'autre arrive là-bas. Tu risques de le regarder, il fait... Alléluia. L'esprit de l'homme connaît l'homme. Il suffit qu'on entre, quelqu'un entre, il est bien habillé. Tu regardes la montre qu'il a à son poignet. Tu regardes sa chaussure. Tu dis, waouh, il a l'argent. N'est-ce pas? Est-ce que tu as besoin de la prophétie pour ça? Non, c'est l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. Tu regardes les choses de valeur qu'il a, tu te dis, il a les moyens. Quelqu'un d'autre entre, il a une chaussure, l'autre, tu regardes vers l'ouest, l'autre talon est à l'est. Et c'est déjà devenu comme des bateaux. Et tu regardes la ceinture, on dirait que la ceinture est la ceinture de Jean-Baptiste. On dirait qu'on a juste coupé la peau et... Allez, on a porté autour de la taille. Et la chemise est en train de réclamer, de démissionner. Vous dites, tu m'as trop nettoyé, est-ce que tu ne peux pas me lâcher aussi? Alors, lorsque tu regardes, tu te dis, non, non, il n'a pas les mêmes moyens que l'autre. On n'a pas besoin des prophéties avec ça. C'est l'esprit de l'homme regarde et tu comprends. Toi-même. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme regarde ce qui frappe. Amen. Amen. Donc, l'esprit de l'homme peut connaître les choses. Maintenant, l'esprit de Dieu, la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'intelligence de Dieu. C'est plutôt la connaissance de Dieu. C'est l'intelligence de l'esprit. Maintenant, quand tu t'assois, le Seigneur pose la question. Il dit, Philippe, où est-ce qu'on va trouver le pain pour nourrir tout ce peuple? Normalement, Philippe devait se dire, le Seigneur ne peut pas me poser cette question. Lui, il est l'homme des solutions. Ça veut dire que la solution est en train de venir ici. Elle est en train de venir ici. Ah, maître, on va vraiment les nourrir. Hein? Donc, vous allez faire un miracle. Donc, on va manger aujourd'hui. Philippe a répondu sèchement. Il dit, même si on avait 210, comme quelqu'un qui répond, il dit, écoutez, même si on dépensait 10 000 dollars ici, on ne va même pas trouver des boulangeries pour avoir le pain afin de nourrir tout ce peuple. L'argent n'est pas un problème, mais qui va faire le pain pour tous ces gens? Déjà, il bloque. Et au niveau de l'argent, et même à la source, qui va fabriquer le pain pour ces gens-là? C'est ce qu'il répond. Ça ne suffirait pas pour que chacun a reçu un peu. Il dit même pour que chacun d'eux puisse recevoir un peu, ça va être impossible. C'est impossible pour toi qui crois que c'est impossible. Mais pour moi, la Bible dit, si vous croyez, rien ne vous serait impossible. Je suis en train de dire à toute impossibilité qui se trouve dans ta vie, que bien-aimé, si tu crois maintenant, je parle aux impossibilités, je parle à tes impossibilités, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que somebody m'entend? Alors, pendant qu'il répond sèchement, lui, il n'a pas la foi. Alors, vint un de ses disciples qui était à côté, qui écoutait la conversation. Parce qu'ils étaient tous là pendant que le maître parlait. Cet homme s'appelle André. Alors, André lui dit, hé, maître, il y a un petit garçon qui a son linge. Parce que vous savez, Jésus-Christ était tellement formidable, cet homme-là. Amen. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Roi, le Roi qui vient, Maranatha, celui qui peut faire toutes choses.
C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui a le plus beau nom. C'est lui qui a le nom souverainement élevé. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et pendant que je parle, au nom de Jésus qui a multiplié le pain, que tout ce que tu as, que l'ennemi a retenu, puisse se multiplier maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu seras augmenté, tu ne seras pas soustrait. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, tu seras augmenté, tu ne seras pas soustrait. La soustraction n'entrera pas dans ta vie ce soir. Toute soustraction, je la brise dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand il passait, même le petit garçon qui quittait pour aller à l'école, vous savez, il y a des écoles de foi qui sont dans nos quartiers. Tu es chez toi à la maison, tu vois l'école de ton enfant. Il sort, il s'en va à l'école. Allez, tu le laisses aller tout simplement. Avec les yeux, tu le regardes là, il part. Ou bien tu es habitué qu'il va arriver, c'est là-bas, on ne peut pas le voler. Ce petit garçon avait son lunch avec sa boîte à lunch. Oui, il y avait 5 pains. Des tranches de pain bien placées. Et 2 poissons. Bien frits là. Sa maman a déjà mis. Allez, tu t'en vas à l'école, mon bébé. Allez. Tu commences à peine la maternelle ou bien en première primaire. Vas-y. Le petit a entendu qu'il y a un homme qui passe. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Les gens parlaient, même les enfants qui sont à la mamelle. Ils s'abandonnaient la mamelle de leur maman et ils couraient derrière Jésus. Le petit garçon avait son lunch. Il se retrouve au désert avec l'homme de Galilée. Allô, Philippe? Je pense qu'ils avaient faim. Vous savez, quand tu as faim, tu sens l'odeur de tout. Wow. Bien-aimé, peut-être que tu n'as jamais été affamé. Hein? As-tu déjà expérimenté cela peut-être en jeûne et prière? Quand tu es en jeûne, même ce que tu méprises devient extraordinaire. Surtout quand vous jeûnez et que vos enfants doivent manger. Même ce morceau de pain là que tu négliges chaque matin, quand tu le regardes, tu dis « Ah !» Comment Philippe a-t-il su qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons? Je pense que l'odeur de ce poisson-là, l'odeur, malgré la foule, Philippe a senti l'odeur. Tu allais poser la question au garçon, mais écoute-toi, tu sais quoi, tu as préparé, tu as fait la cuisine ou quoi? Non, non, ma maman avait mis ici 5 pains, j'ai du poisson et puis du pain. Philippe a regardé la même comté. Il m'a dit, je ne vais pas prendre, c'est à toi. C'est pourquoi quand vous qui gardez les enfants, si vous gardez les enfants d'autrui, vous êtes là, soyez gentils avec les enfants. N'abusez pas des enfants. Ne frappez pas les enfants. N'agressez pas les enfants. Ne volez pas les enfants. Il y a des gens, on peut te laisser là-bas, donne la nourriture à l'enfant, tu manges. Et l'enfant ne mange pas. Quand tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu pour que les gens te voient. Même lorsqu'il n'y a personne autour de toi. Ne gifle pas un enfant d'autrui, pas. Et puis tu regardes, tu dis, il n'y a personne qui te voit. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent être là, ils te tournent ton oreille, là, tu cries, et puis tu dis, je n'ai rien fait. Dieu te voit. Donc, premièrement, tu es démoniaque. Tu es méchant. Tu es sorcier. Tu es possédé. Et tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut se fier. Bref, tu es abîmé. Parce qu'on doit être gentil avec les enfants. Et Philippe dit, Maître, il y a un jeune homme. Plutôt André. Est-ce que vous savez que André avait la foi? Parce que imaginez-vous, tel que vous êtes là ce soir, je dis, ok, nous sommes ici, ça fait plusieurs jours, on est en prière. Maintenant, on doit manger.
Pierrick, où est-ce qu'on va trouver vraiment le pain pour tous ces gens? Pierrick me répond, waouh, à cette heure-ci, c'est compliqué. Même si on va au dépanneur là-bas, on ne trouverait pas la quantité pour nourrir tout ce monde. Alors Patrick vient pour me dire, non, j'ai vu qu'il y a un enfant là-bas. Je pense que ce doit être le petit garçon de Christine. Il doit avoir au moins 5 pains. Pendant que nous sommes 500. Je pense que tous, si nous sommes à côté, nous allons dire, c'est Patrick qui est fou, Pierrick est normal. Non, je vous dis vrai. Humainement parlant, tu vas t'énerver contre Patrick pour lui dire, écoute, nous sommes 500 personnes, toi tu veux nous parler de 5 pains, on va faire quoi? On va les distribuer comment? Mieux vaut ne rien dire. En réalité, on n'a pas de pain. On va dire à Pierrick, tu as raison, parce qu'on ne saurait pas. Il était dans le raisonnement. Il était dans la logique. Et Philippe avait raison, humainement parlant. Mais dans le langage de Dieu, il n'avait pas raison. Dans le langage de Dieu, il avait déjà échoué. Dans le langage de Dieu, il n'était pas qualifié pour vivre le miracle. Pour vivre le miracle, il faut entrer dans l'intelligence de l'esprit. Il faut avoir la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a ici un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. En d'autres termes, j'ai confiance que ce que j'ai, si je te le remets, tu es capable de le multiplier et de le rendre des milliers et des milliers, de nourrir tout ce peuple. Waouh. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Et vous voyez l'intelligence de l'esprit. Les hommes peuvent te donner raison parce que tu marches selon la logique. Même si les hommes te donnent raison, tu ne seras pas qualifié pour vivre la gloire de Dieu. Pour vivre le surnaturel, le miracle, abandonne la logique, entre dans la connaissance de Dieu. Où sont les André ce soir? Où sont les André? Dieu ne veut pas de Philippe. Le Seigneur veut les André qui pourront lui présenter le peu qu'il a déposé dans leurs mains. Le peu qu'il a déposé. L'intelligence que Dieu t'a donnée fera de toi une légende sur cette terre. Le peu que Dieu a déposé entre tes mains, il est capable de le multiplier. Ce que Dieu a déposé entre vos mains est assez pour que vous puissiez conquérir le monde avec. Souvent, quand tu regardes, tu te dis, Seigneur, comment je parviendrai à être ce millionnaire-là? Comment mon entreprise ira de l'avant? Comment je ferai pour toucher ceci? Pourquoi tu es toujours dans le comment, dans le comment, dans le comment, dans le comment? Es-tu déjà allé vers Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce que j'ai. Je n'ai que 5 pains, je n'ai que 2 poissons, mais je crois que tu es capable de nourrir tout ce peuple. Tu vas répondre aux besoins. Il y a un besoin dans la ville, il y a un besoin dans le monde. Mais ce que tu m'as donné, c'est ça. Toi, tu m'as dit, Seigneur, que je serai l'instrument que tu vas utiliser. Maintenant, Père, je reviens vers toi avec ce que tu m'as donné. Je reviens vers toi avec ce que tu as déposé entre mes mains. Parce que, Seigneur, il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais tout ce que tu m'as remis, c'est 5 pains et 2 poissons. Je ne sais pas comment tu feras, mais je sais que tu es capable de le faire. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce peuple sera nourri. Je ne sais pas comment s'ils vont se rassasier, mais je sais qu'ils seront rassasiés. Wow. Est-ce que je peux augmenter ta foi ce soir? Est-ce que savez-vous que Jésus-Christ n'a jamais dit gens sans foi ou hommes sans foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Non, il a toujours dit hommes de peu de foi, parce qu'il a déposé en chacun de nous une mesure de la foi. Donc chaque personne a la foi. Quand tu n'exerces pas ta foi, c'est à cause du raisonnement qui est ennemi de la foi. Et pour que la foi entre en action, il faut renverser les raisonnements. Tant que le raisonnement n'est pas renversé, ta foi sera étouffée. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Non. Soit l'autre est étouffé, soit c'est l'autre. Lorsque les raisonnements commencent à fonctionner, la foi ne marche plus, elle est paralysée. Elle est paralysée.
C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si vous avez de la foi comme le grain de sénévé, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutiez point dans votre cœur. Parce que la foi va venir étouffer. Et la foi que tu vas te marier, et la foi que tu vas aller loin, et la foi que tu vas guérir, et la foi que tu vas être élevé, et la foi que Dieu va te multiplier, et la foi que Dieu va t'établir. Oh, ce soir, je te demande seulement d'avoir la foi. Il n'y a pas de place pour la pitié, pour la compassion de ceci ou cela. Dans le royaume, nous achetons avec la foi. Tu peux tout posséder. J'ai besoin de te dire ce soir, si Dieu a parlé à propos de ta vie, c'est vrai, crois-le. Où sont les André? Où sont les André? Est-ce que nous pouvons un peu étudier à un moment donné un peu ce raisonnement, cette logique-là de Philippe et d'André? Humainement parlant, Philippe est intelligent. Lorsque nous sommes dans la logique humaine, nous allons aimer Philippe. Pourquoi? Philippe est un homme qui raisonne, qui réfléchit. Il donne des réponses réfléchies. Mais André, c'est quelqu'un qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Ouais. Il dit des choses qui n'ont pas de sens. Vous voulez nourrir 500 personnes, mais André arrive et dit, ok, je vois, il y a un petit garçon là-bas qui a 5 pains et qui a un petit morceau de poisson. Automatiquement, même moi-même, je vais m'énerver. Je vais dire, mais écoutez, tu veux te moquer de qui? Nous voulons aller acheter le pain. Lorsque Philippe a terminé de donner sa réponse, automatiquement André a pris la parole. Seigneur, il y a ici un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Parce qu'en d'autres termes, il croyait, malgré qu'il ajoute en disant, c'est peu. Mais en réalité, il a connecté avec ce qu'ils avaient. Il a connecté le Seigneur avec ce qu'ils avaient. Est-ce que tu peux connecter Dieu, tu peux connecter le Saint-Esprit à ce que tu as? Est-ce que tu peux te connecter? J'ai besoin ce soir que tu puisses juste te connecter. Connecter le Seigneur à ce que tu as. Connecte le Seigneur à ce que tu possèdes. Connecte le Seigneur à ce qu'il a déposé entre tes mains. Connecte le Seigneur. Les gens peuvent se lever, être jaloux. Ils peuvent nous critiquer, nous insulter. Mais pour entrer dans cette ville et prêcher l'évangile, je ne suis pas venu avec la logique ou le raisonnement humain. Je suis entré dans cette ville avec la foi. Je crie au Seigneur. Lorsqu'aujourd'hui on peut me voir, me promener dans des belles voitures, m'asseoir ou ceci, cela, c'est la foi qui peut posséder toutes ces choses. C'est juste par la foi. Si c'était par la logique, rien ne pourra se faire. Même toi qui es assis là-bas, tu es assis ici par la foi. J'ai eu la foi que tu seras là. Alléluia. J'ai eu la foi. As-tu déjà été dans une ville où tu ne connais personne? Où tu n'as ni frère, ni sœur, ni oncle, ni tante, ni parent? Tu entres comme ça, Dieu te dit, ok, marche sur la ville, je te donne la ville. Tu n'as pas de chaise, tu n'as pas de micro, tu n'as rien du tout. Les personnes que tu rencontres, c'est la première fois où tu les connais. Tu dois prêcher l'évangile. J'avais la foi que tu seras là. Amen. Donc on ne se connaît pas avec toi aujourd'hui. Je te connaissais il y a longtemps. Amen. Même ceux-là qui viendront après, je les connais déjà. Parce que par la foi, on est déjà connectés. La foi. Aujourd'hui, j'ai une belle chair en marbre. La foi. Amen. Aujourd'hui, on a une belle chorale. La foi. Amen. J'ai un beau micro. La foi. Amen. On a tout un bâtiment à nous. La foi. Amen. On allait prendre des salles dans des écoles où on pouvait payer 50$, 100$. Mais pas la foi. La foi. Aujourd'hui, on est tout un bâtiment avec des bureaux. On monte. On descend. Hey! Hey! Où sont les André? Où sont les André? Où sont les André? J'ai besoin de parler à ta vie que l'entreprise que Dieu t'a promis, elle prospérera. Elle prospérera. Elle prospérera. Quel que soit ce que tu as entre les mains, ton entreprise prospérera.
Je suis en train de parler maintenant à tout cela parce que je parle du miracle de la multiplication. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de te multiplier. Multiplie-toi. Que tout ce qui t'empêchait de te multiplier est en train de te lâcher maintenant. Pendant ce moment que je parle, multiplie-toi au nom de Jésus-Christ. Laisse le raisonnement. Quand on te parle du mariage, toi tu commences à regarder dans le culte qui va m'épouser. L'autre là, il est déjà marié. L'autre est déjà marié. Ah, l'autre là, il a quel âge? Ah, l'autre là, il y a ceci. Écoute, si Dieu te dit qu'on va t'épouser, il est capable. Ne te fabrique pas un mari. Tu vas le regretter demain. Ne te fabrique pas un homme. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Mon Dieu est capable. Jésus-Christ dit. On dit, il y a un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour libérer cette onction. Quand on raisonne, on bloque à l'onction. Quand Philippe a parlé, le Seigneur n'a jamais dit, faites-les asseoir, on commence l'affaire. Non, on était toujours dans le raisonnement. Tant que tu vas commencer à continuer dans le raisonnement, ta vie ne va pas changer. Les gens qui raisonnent trop échouent, même dans la vie, il y a une logique. Mais trop de logique, ça nous fait aussi échouer. Il y a des gens, juste pour t'expliquer une affaire, par exemple, je dois quitter ici pour aller chez l'homme de Dieu, et puis je le vois juste 10 minutes, et puis je rentre chez moi. Non, bon, on est ici. Là, j'avais une petite course. Quand je vais terminer la course, je vais passer vers Beauport. Quand je quitte vers Beauport, tu vois, le retour, je vais prendre l'autoroute Laurentienne. Explique seulement que je m'en vais à Beauport voir l'homme de Dieu. Et puis je rentre, c'est simple. Pourquoi tu veux te pourrir la vie? Il y a des gens qui échouent parce qu'ils ont trop de logique. Trop. Applique la logique là où il y a la logique. Mais applique l'intelligence de l'esprit là où il faut appliquer l'esprit. Vous pensez que Jésus-Christ était stupide? Quel est ce boulanger qui allait fabriquer en ce moment-là ses pains pour nourrir tout ce peuple-là? Il n'était pas stupide quand il a posé la question. Pensez-vous que quand Dieu vous prophétise, il est stupide, il ne comprend pas ce qu'il vous dit? Pensez-vous qu'il est stupide? Marie a ri parce qu'il a cru que le Seigneur était stupide. Dit l'année prochaine, à cette même époque, je passerai, Marie, ta femme sera enceinte. La Bible dit Marie a ri. Et Sarah plutôt. Sarah a ri. Mange calmement, toi là. Tu es déjà rassasié. Parce que je pense que Sarah devait être bonne à la cuisine. La façon dont Abraham a couru pour dire, allez vite, prépare les galettes, le veau, tout ça, on va préparer. Je pense que pour être certain, accueillir les visiteurs comme ça à l'improviste, il faut être certain que ta femme a une belle main. Elle a une très bonne main. Amen. Parce qu'il faut que tu la prépares d'abord. Non, on doit recevoir tout ça. Elle va sur YouTube, elle commence à regarder comment on va frire un poulet. Aujourd'hui, YouTube prépare tout. Hein. On peut même te dire comment on peut t'aider, comment préparer la lasagne. Sur YouTube, va taper seulement comment la lasagne, comment on la fait. Tu vas voir sur YouTube. Tu peux devenir mécanicien, rien que sur YouTube. Alléluia. Rien que sur YouTube. Sarah a préparé. Les 3 hommes ont mangé. C'était bon ce jour-là. Et comme dessert, elle est venue avec de la crème. Tu vois, la crème glacée, là, la vanille. Tu vois, d'abord, il fait chaud. La Bible dit qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il est venu avec, il y avait la vanille française, là. D'abord, il a pris une crème glacée, là, saveur vanille. Il a mis.
Et puis, avec les galettes. C'est la Bible qui dit qu'il y avait des galettes. Je n'invente pas ce que je dis. Il y avait des galettes. Est-ce que vous savez que manger ici, manger, c'est pour nous les terriens? Manger, c'est pour nous les habitants de la terre. Manger, même Jésus-Christ avant de partir, il dit, ah, je ne mangerai pas et je ne boirai pas les fruits de la vigne jusqu'à ce que je revienne encore. Donc le maître partait et il regrettait l'affaire, manger. Ouais. Quand vous voyez tous ces gens-là qui ont visité le ciel là-bas, même les autres, tout ça en Apocalypse, on nous a raconté, on a vu où on a mangé. On n'a pas mangé. L'esprit ne mange pas. Manger le poulet là, bien-aimé, que tu le prends là, je ne dis pas que tu vas aller chez toi manger pour dire l'homme de Dieu a dit c'est sur terre ici nous mangeons. Quand nous on meurt là, on ne mange plus. Non, ceux qui font, ce ne sont pas seulement les impudiques, les ivrognes et les voleurs, les meurtriers qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ceux-là qui font des excès de table. Quand tu dors la nuit, le ventre en haut, tu ne sais plus respirer. La Bible dit tu es disqualifié pour entrer dans le royaume. Comment tu es un enfant de Dieu comme ça, né de nouveau? Tu peux être là, tu manges. Et puis après, tu commences à respirer. Tu tournes là, c'est mauvais. Tu tournes, c'est mauvais. Tu te lèves. Tout ça pourquoi? Parce que toi, tu as voulu manger seulement la crème. Tu as voulu manger seulement les gâteaux. Est-ce que les gâteaux vont disparaître? Il y a des gens qui ne prennent pas le poids parce que la nourriture est mauvaise. Il y a des gens qui mangent des quantités industrielles. Tu touches l'argent, toi ton argent va seulement dans la nourriture. T'es possédé. Possédé! Quand notre argent va seulement pour manger, 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 alors on est le dernier de posséder. Tu ne peux rien bâtir, rien construire. Toi, c'est seulement manger. Et puis, quoi? Tu vas dans le lieu secret. Tu manges, mange avec modération. Mange bien, mais mange avec modération. Le corps, c'est le temple de Dieu. Toi, mais la personne est assise. Comment se menace à renvoyer? Et puis, ça sent mauvais partout. Non? Mais tu es adulte. Ça peut paraître aussi banal quand on parle, mais il y a des gens qui sont possédés pour la nourriture. Il y a des gens qui peuvent même pleurer. Ils m'ont privé à manger. Pourquoi? Pour la nourriture. La Bible dit la nourriture est faite pour la nourriture est faite pour le ventre est fait pour la nourriture et la nourriture est faite pour le ventre. Dieu détruira l'un comme il détruira l'autre. Ton ventre là sera détruit. C'est pas moi qui le dis. Avoir du poids ne signifie pas non plus beaucoup manger. Mais il y a des gens qui prennent parce qu'ils mangent. Mais avoir du poids ne signifie pas parce qu'il y a des gens qui sont aussi avec une taille olympique, mais qui consomment d'une façon olympique. Tu peux même te poser la question, où va la nourriture? Au nom de Jésus, sois délivré. Amen. Souvent, quand tu as trop d'appétit, bénis la nourriture. Souvent, peut-être que tu manges des fois sans même prier.
Vous savez, la nourriture ici, ce n'est pas pour rien que les gens se battent pour dire « Oh, c'est halal ». L'autre dit « Ce n'est pas halal ». Ainsi de suite, parce que « Oh, le imam doit prier pour ça ». L'autre dit « Oh, les juifs disent « Oh, les rabbins doivent prier d'abord ». Il y a un mystère de la nourriture. C'est à travers la nourriture que l'humanité a été vendue entre les mains de Satan. Le manger seulement, le manger ici. Ok, on retourne au pain. Des fois, ça m'arrive. On dirait que je parle bien parce que tout le monde est accroché à mes lèvres. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, 5 pains. As-tu déjà commencé une affaire avec 10 000 dollars? J'ai vu quelqu'un aux États-Unis qui est venu me saluer pendant que je prêchais un jour. Je prêchais avec force. Il est venu me voir et me dit, homme de Dieu, aujourd'hui, je suis millionnaire. J'ai un capital de 20 millions de dollars. Et j'ai commencé avec 10 000 dollars. Il dit, j'ai commencé avec 10 000 dollars. Je crie au Seigneur. Tandis que nous avons des gens, des fois, tu n'as jamais géré 5 000 dollars. Tu ne sais rien commencer avec les 5 000. Tu dis d'abord à Dieu, Seigneur, c'est peu. Mais tu veux 500 000. Bien-aimé, vous pensez que même dans la vie, là, vous pensez qu'on va t'appeler, toi, pour que tu gères la caisse des dépôts. Pendant que tu n'as même jamais géré une succursale de caisse des jardins. Dis à Dieu, multiplie sur ce que j'ai. J'aime comment on donne à Christ le pain. Il n'a pas commencé directement à le multiplier. Non, on lui donne le pain. Il le présente au Père. Est-ce que vous comprenez? Il retourne au Père. Et après maintenant, bam, le pain ne finit plus. Il coupe, le morceau est toujours là. Il coupe, le morceau est toujours là. Il coupe, le morceau est toujours là. Il coupe, donnez-leur. Les gens commencent à manger là. Les poissons. Un poisson qu'on a multiplié, c'est la femme là avait préparé 2 poissons. Mais l'autre qui s'est multiplié, il y avait des anges qui préparaient vite là. On dépêche. On dépêche. Paf. Ils ont mangé un poisson avec l'huile céleste. Amen. Le Seigneur aimait le poisson. Parce que même quand il est ressuscité, les apôtres ont trouvé au bord du rivage, il y avait le poisson. Alléluia. J'ai besoin que nous puissions d'abord prier le Seigneur. On va prier Jésus. On est dans un moment, dans une soirée prophétique. Mon temps est parti. On va continuer encore jeudi prochain. On a beaucoup de choses à dire sur ce verset-là. Dieu doit t'augmenter. Dieu doit t'augmenter. Dieu doit t'augmenter. Alléluia. Dieu doit t'augmenter. On peut être un bon étudiant. On peut être quelqu'un d'intelligent à l'école, qui comprend bien les maths, qui comprend bien la chimie, qui comprend bien le physique, mais tous ces phénomènes-là du physique, tout ça, tu dis non, 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 moi j'aime beaucoup, beaucoup. Mais tu es là à comprendre le langage des dieux. Comprendre la chimie ou les maths, cela ne signifie pas qu'on peut comprendre aussi le langage des dieux. Alléluia. Dis d'abord à ton voisin, chasse Philippe. Amen. On va commencer à prier par là. Il y a des gens qui aiment Dieu dans le cœur, mais qui le haïssent avec la tête. Dans le cœur, il aime. Dans la tête, c'est le raisonnement. C'est là qu'il déteste Dieu. Il faut que le cœur et la tête soient unis pour vivre la gloire de Dieu. Dieu est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Commence à parler à Dieu d'abord ton problème.
Commence à dire à Dieu, augmente-moi. Commence à dire à Dieu, augmente-moi.